retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo pour vous présenter le nouveau éditeur Rockstar, donc qui est sorti sur Next Gen. Donc pour ceci, déjà va falloir vous faire donc une petite séquence. Donc il va falloir faire longtemps la flèche de bas et appuyer, donc je sais plus à quelle touche, mais vous verrez. Donc vous aurez à faire la flèche de bas. Donc après il va falloir vous rendre dans l'éditeur, donc si pour l'éditer, pour faire ce que vous voulez avec. Donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Donc franchement il y a vraiment beaucoup de possibilités. On va faire un boulot monstre, donc c'est vraiment stylé je trouve. Donc juste le temps du chargement que voilà. Donc vous pourrez régler la caméra. Donc je vous montre un peu les caméras que vous pourrez prendre, donc caméra à filmer. Vous aurez aussi la cible à suivre, les trans types de support, voilà. Il y a plusieurs choses. Type de support aussi, donc je vous montre un peu ce que j'ai fait hein. Donc voilà, je l'ai fait un peu vite fait juste avant de faire la vidéo, ce que c'était juste pour vous montrer un petit essai de ce que ça peut donner. Donc vous allez voir qu'à la fin, donc quand j'aurai fini de faire le truc de l'éditeur, vous pourrez voir que ça rend assez bien franchement. Donc voilà, vous pouvez sauvegarder vos modifications, donc en faisant la flèche de gauche. Donc donc voilà. Donc quand vous êtes dans la caméra, après ça vous fait un petit chargement tranquillement et voilà. Vous aurez les effets. Donc voilà. Vous avez plusieurs, vous pouvez voir un peu les effets. Qui sont assez stylés aussi, hein. Franchement. Voilà, je vous ai un peu tout montré. L'intensité du filtre. Donc je vous la baisse. Voilà. Donc je vous mets tout au max. Donc voilà, pour vous montrer un peu tout ce que ça peut donner quand on met tout au max ou quand on descend tout. Tout ça c'est stylé. Je me suis un petit peu amusé à faire la vidéo parce que franchement c'est vraiment un boulot monstre ce qu'ils ont fait, c'est vraiment stylé je trouve. Déjà l'effet c'est... ça fait un peu de stylé je trouve. C'est un truc assez bizarre. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'effet là que j'ai fait avant de mettre la vignette, ça faisait un peu l'effet quand il y a Michael qui monte dans le vaisseau spatial. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça fait un peu ça je trouve, personnellement. Donc voilà, après vous avez pu voir que j'ai sauvegardé. Vous aurez aussi le son. Donc je vous laisse écouter. Donc là vous avez pu voir un petit peu les effets, donc je vous ai pas tout montré hein. Donc vous aurez les volumes d'effets, volume du son du jeu, volume des dialogues, volume musique, volume des pistes d'ambiance, intensité musique, type de micro. Voilà, vous avez plusieurs choses assez stylées. Donc là je vous ai montré aussi d'autres bruits, donc voilà. J'essaie un peu de tout montrer, les bruits, tous les styles qu'il y a comme bruit. Donc franchement j'en ai mis un paquet quand même. Et vous pouvez vraiment tout modifier vraiment pour faire un truc éditeur vraiment super cool. Donc vous avez la vitesse, la position, pour choisir la position que vous voulez mettre, définir vignette, transition. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités vraiment pour l'éditeur. Je vous conseille vraiment si vous êtes sur Next Gen et PC. Franchement, essayez. Bah déjà PC ils l'avaient déjà hein. Et ils l'ont mis aussi sur Next Gen. Donc par contre Old Gen ne l'auront pas. Je crois parce qu'elle est pas assez puissante. Donc franchement, vous pouvez voir aussi Trevor. Donc là, voilà, je vous montre un peu ce que ça donne. Donc là, par contre, à la fin, j'ai pas mis de bruit. Donc bon, voilà, c'est juste le début. On a pu entendre un bruit. Donc par contre, vous pouvez, vous avez vu qu'il y a écrit musique, mais après pour l'insérer, c'est un peu chaud. Donc bon, je vous ai pas montré comment faire. Après donc je vous montre aussi comment sauvegarder. Vous faites sauvegarder sous. Non excusez moi sauvegarder. Là vous pouvez aussi sauvegarder sous, vous faites vraiment ce que vous voulez. Sauvegarder après donc vous pouvez l'exporter. Moi j'ai fait sortir. Donc voilà. Donc franchement ce sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous. Allez moi je vous dis peace.